Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je vous retrouve pour le tirage des Gémeaux pour le mois d'août 2021. Donc pour nos amis Gémeaux, signes astrologiques solaires, lunaires et les ascendants Gémeaux. Donc je vais faire le tirage avec le tarot de Marseille, que je vais recouvrir avec les arcanes mineurs pour avoir dans un second temps plus de précision. Et après je rajouterai en fin de tirage une carte avec le Normand, avec le Lenormand pour chaque décan. Signe Gémeaux, signe astrologique solaire Gémeaux. Alors, là j'ai des cartes qui se sont retournées, mais il y en avait trop. On va aller voir quels sont les messages pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois d'août. Les messages, donc si on peut avoir des précisions, du prédictif, des conseils, du tarot sur les événements qui vont se passer, les manières d'appréhender les situations. Déjà dans un premier temps, avec les arcanes majeures. Merci à tous pour vos likes, vos commentaires sur les précédentes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour être prévenu quand je mets des publications en ligne. Et pensez à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage. Ça me donne envie de continuer à vous faire des tirages. Je vous remercie à tous. Alors, on va aller voir déjà la coupe pour vous, amis Gémeaux. Donc là, j'ai l'ermite à l'envers sur la lune à l'envers. Donc vous avez certainement quelque chose qui vous a peut-être un petit peu pris la tête, pris aux tripes, peut-être même le refus de voir les choses sur quelque chose, mais vous y avez réfléchi, je pense, vous avez fait une forme d'introspection, comme on le fait tous, mais sur une situation précise, quelque chose qui était un peu enfoui au fond de vous, ou des choses cachées, et que vous refusiez peut-être d'accepter, certainement. Et grâce à l'introspection que vous avez faite récemment par rapport à ça, ou que vous allez faire durant ce mois d'août, on va voir, vous allez réussir à sortir là, de cet état de réflexion pour pouvoir, je pense, peut-être mener des actions suite à la prise de conscience de certaines choses qui vous retenaient, qui vous empêchaient de passer d'un état à un autre. Votre refus peut-être de voir quelque chose de précis dans votre vie. On va aller voir. Alors déjà, une vision globale du mois qu'on va approfondir après avec les arcanes majeures. Donc je sors quatre cartes majeures. Donc en dos de deck, j'ai le monde qui est à l'envers, suivi de l'arcane sans nom qui me laisse dire quand même effectivement que vous aviez refusé le passage de quelque chose dans votre vie, la fin certainement de quelque chose peut-être même qui vous a rendu un petit peu amer. Et que vous allez réussir à sortir en fait de cet état de méditation, de presque de contemplation, je dirais pas de sidération, mais vous allez effectuer quand même un changement, je pense radical mais progressif quand même, hein, pour pouvoir sortir. Là, il y a peut-être quelque chose qui s'est pas terminé comme vous le souhaitiez récemment, ou qui va pas se terminer ce mois-ci comme vous le souhaitiez. Alors là, j'ai la papesse à l'envers, l'amoureux, le pape et le diable. Donc ça peut concerner pour certains d'entre vous une situation sentimentale, parce que j'ai quand même la papesse et le pape. Donc peut-être un désaccord avec une personne. Alors soit une personne, quelqu'un dans votre couple par exemple, ou votre maîtresse, ou la personne que vous... avec qui vous avez envie d'être, avec qui vous n'êtes pas forcément, ou ça peut être aussi une relation avec quelqu'un de très proche. Moi, c'est comme ça que ça me parle. Ça peut parler aussi dans le cadre d'une triangulaire, parce que j'ai quand même l'amoureux qui peut représenter ça. Et il y a quelque chose qui ne s'est pas forcément passé comme vous le souhaitiez, je pense. Certainement peut-être des choses qui ont été cachées, ou des non-dits, vous voyez. Une forme de discordance, mais de discordance... qui n'était pas ouverte, hein, vous voyez, qui était fermée. Des choses cachées un petit peu, mais qui n'étaient pas révélées en fait au grand jour. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui vous a récemment profondément quand même meurtri, ou qui va vous meurtrir là durant le mois. Et je pense qu'en fait, vous aurez la nécessité, voilà, de changer avec cet état, et que vous aurez aussi... l'envie, je pense, de regoûter au plaisir de la vie, à la bonne chair, aux bonnes choses, peut-être dans cette relation avec ces personnes ou avec cette personne.
Donc ça peut aussi parler au niveau professionnel. Vous voyez comment ça vous parle, le tirage. En tout cas, il y avait des choses qui étaient cachées ou qui sont encore actuellement cachées et qui vous empêchent en fait de... qui vous donnent un petit goût d'amertume dans la bouche. Voilà. Et peut-être que vous avez l'impression que ces personnes ou cette personne vous trahit ou que c'est le sentiment que vous allez avoir durant ce mois ou tout simplement que vous aurez envie de vous libérer de ça et que vous aurez, que vous souhaiterez, je vous dis, profiter plus pleinement de la vie. Voilà. Donc, on va aller voir déjà la résultante. Donc là, j'ai le 10, 20, 25, 26, 27, 28, 8, 9, 10. Donc là, j'ai la roue de fortune. On va voir si elle sort à l'endroit ou à l'envers. Donc là, elle sort à l'envers. Donc peut-être que vous aurez pas forcément envie aussi de prendre les choses en main, mais que... vous sortirez un peu de votre coquille, mais que vous aurez... enfin, de votre coquille, c'est un peu... pour un Gémeaux, c'est un peu bête, quoi, de dire ça, parce que vous n'êtes pas quelqu'un d'enfermé dans votre coquille. Mais là, c'est comme ça que je le vois. J'ai l'impression que vous avez réfléchi à cette situation et que vous prenez ça un peu comme une fatalité ou comme une forme de malchance, mais qui s'avérait un petit peu nécessaire. En tout cas, il y aura quand même, je pense, l'amélioration d'une situation, je vous dis, soit pour retrouver plaisir à certaines choses dans une relation ou dans la vie, hein, des petits plaisirs de la vie. Vous allez passer quand même ce cap, ce sera peut-être un peu difficile, mais c'est possible aussi qu'il y ait l'amélioration d'une situation financière, hein, pour certains d'entre vous, suite à quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous voulez, qui se termine pas forcément comme vous voulez, mais qui se termine, et que vous allez peut-être réussir justement à reprendre le dessus par rapport à ça. Mais c'est même pas vous, quoi. Ça se fera tout seul, si c'est le cas. Ça sera un peu la fatalité. On va aller voir avec les arcanes mineures, pour avoir plus de précision. Vous le savez peut-être maintenant, pour ceux qui me suivent. Donc moi, je tire les arcanes majeures pour avoir une vision un petit peu globale, et après, je le recouvre pour rentrer plus dans le détail, donc pour voir quel domaine ça concerne, ou pour avoir des précisions, plus d'informations. Donc là, pour moi, ça me parle de discordance, je vous dis, avec quelqu'un, quelque chose, avec quelqu'un ou plusieurs personnes, dans une relation, et de choses qui sont un peu cachées, pas volontairement, mais vous voyez, des non-dits, quoi. J'ai l'impression qu'il y a des non-dits et que... peut-être vous vous sentirez un peu trahi ou un peu empêché de faire les choses, ou que quelque chose se terminera, mais pas forcément de la manière dont vous l'auriez souhaité. Mais ce n'est pas forcément négatif, parce que le diable qui sort dans cette position, alors ça peut me parler effectivement d'emprise toxique, d'une personne toxique ou de dépendance, qui sont forcément toxiques, hein, puisque rien que le mot dépendance, c'est déjà... quelque chose qui est toxique de base. Mais ça peut me parler aussi de l'amélioration d'une situation de couple ou de l'amélioration d'une situation financière. Donc on va aller voir. Peut-être c'est plutôt ça qui m'intéresse, voir comment ça va sortir. Parce que bon, effectivement, route fortune à l'envers, monde à l'envers, ça pourrait me laisser dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément bien, qui va se terminer, pas forcément comme vous le souhaiteriez. Mais j'en suis pas, même pas convaincue. Parce que ça va dépendre des cartes qui vont sortir maintenant. Alors, je coupe. Et je vous dis ça. Donc, en dos de deck, j'ai le 7 de coupe. Donc, effectivement, vous avez certainement un choix peut-être difficile à faire. Une hésitation, là, entre peut-être plusieurs personnes. Ça, c'est possible que pour les personnes qui sont en triangulaire, ce mois-ci, vous soyez vraiment face à un choix amoureux, par rapport à deux personnes qui sont dans votre cœur, ou c'est peut-être quelqu'un qui est en face de vous aussi, puisque vous savez que les énergies sont interchangeables, donc ça peut être aussi quelqu'un en face de vous qui a un choix à faire ou qui va faire son choix ce mois-ci, et qui est quand même peut-être difficile à faire, hein, et qui va prendre son choix en fonction quand même du plaisir qu'elle a envie, qu'elle compte y trouver, je pense, cette personne. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais il y aura quand même un choix, je pense, soit pour vous, soit pour la personne qui est face à vous, si c'est dans le domaine sentimental. Alors, sur la papesse, sur l'amoureux, sur le pape, sur le diable,
et sur la roue de fortune. Donc ça peut parler aussi dans un autre domaine, mais là, ça peut quand même parler dans le domaine amoureux, hein, pour beaucoup d'entre vous, qui seraient, je pense, face à un choix, ou qui auraient face à vous une personne qui va faire son choix ce mois-ci. Alors, on va en savoir plus. Donc là, j'ai le roi de coupe à l'envers. Le 3 de coupe. Donc là, oui, ça me parle quand même de triangulaire. Hein. Le 9 d'épée à l'envers. Le valet de bâton. Et l'as de coupe à l'envers. Donc là, ça me parle quand même pas mal de, oui, de triangulaire, ou du moins de choix, si c'est dans une situation professionnelle ou un autre domaine, de choix entre plusieurs personnes ou plusieurs solutions, si c'est le domaine professionnel, mais quelque chose qui sera fait ce mois-ci. Et je pense que là, la personne que vous avez en face de vous, ou vous-même, vous allez choisir en fait... choisir de peut-être de quitter une situation pour pouvoir profiter pleinement en fait de la vie et reprendre un petit peu le contrôle de votre vie avec détermination, fougue, passion. Je pense que vous écouterez ou que la personne qui sera face à vous écoutera vraiment ses impulsions primaires, quoi. Vous voyez ce que je veux dire avec ces deux cartes là. Donc ça peut être vous, ça peut être la personne qui sera face à vous, mais la personne qui a ce choix à faire là ce mois-ci, pour vous, amis Gémeaux, elle va écouter ses impulsions. Voilà, ses impulsions, son instinct primaire, ce qu'elle a envie, en fait, au fond d'elle, je pense. Peut-être un peu son ego aussi, pour certains. Peut-être des choses purement matérielles ou des tentations purement... t'es rien, quoi. Tentations d'ici-bas, quoi. Peut-être qu'elle ne sera pas assez dans sa spiritualité. Peut-être aussi que justement la discordance avec cette personne ou ces personnes se situe à ce niveau. Vous voyez ? Peut-être qu'en fait, dans le couple, par exemple, ou dans la relation que vous vivez, peu importe le type de relation, la discordance se situe du fait qu'il y ait quelqu'un qui soit vraiment plus dans son côté matériel, dans les bonnes choses... de la vie, le fait de profiter des bonnes choses, et quelqu'un qui est plus tourné vers la spiritualité et l'invisible même, je dirais, une forme qui écoute aussi ses prémonitions et une forme de clairvoyance, quoi, de spiritualité, de clairvoyance, que la discordance peut-être se trouve à ce niveau et qu'il y a un choix qui sera fait ce mois-ci de terminer, excusez-moi, de terminer quelque chose, d'arriver à la fin d'un cycle qui sera quitte à couper, quoi. Voilà, quitte à couper avec, ça peut être un schéma de pensée, une personne. Voilà. Bon, dans tous les cas, si c'est vous qui coupez, je pense que ce qui vous aidera, justement, c'est de ne pas agir dans l'urgence et de réfléchir aussi avec logique, sans forcément écouter vos émotions. Je ne dis pas vos intuitions, au contraire. Peut-être écouter vos intuitions et aller chercher un petit peu ce qui vous manque dans la relation, mais sans forcément écouter vos émotions. Hein, parce que c'est peut-être ça qui peut être compliqué pour vous ce mois-ci, amis Gémeaux, c'est de vous laisser déborder par vos émotions, en fait. Hein. Pas par vos intuitions, mais par vos émotions. C'est deux choses différentes, hein, l'émotion et l'intuition. On pourra en reparler éventuellement un autre jour. Bon, là, je pense quand même qu'il y a quelque chose qui va se terminer pour quelque chose de nouveau ce mois-ci. Mais ça ne se passera pas forcément comme vous le souhaitiez. Ceci dit, c'est quand même quelque chose qui vous permettra de sortir... d'un état, alors pas qui vous paralysez plus que ça, d'un état de souffrance, quoi, voyez, qui vous permettra quand même de sortir d'une certaine forme de souffrance dans vos émotions ou de souffrance psychologique. Voilà. Donc vous prendrez quand même plus plaisir, je pense, à la suite de ça, à des petites choses de la vie. Mais il y aura un choix quand même qui sera fait ce mois-ci. Donc là, je vais
Bon, là, j'avais quoi déjà? J'avais Le Monde. Oui, bon, ça se fera, je pense, voilà, tranquillement. Ne refusez pas ce passage dans votre vie. Hein, peut-être que vous aurez du mal à lâcher prise un petit peu sur cette situation et que, je vous dis, vous aurez un goût d'amertume par rapport à quelque chose qui peut se passer. Mais ça sera dans tous les cas un mal pour un bien et ça vous permettra, voilà, de repartir de l'avant. Pas forcément comme vous l'auriez souhaité dans cette relation ou dans cette situation, mais quelque part, c'était nécessaire, quoi, et vous vous en rendrez compte plus tard. Donc, mais c'est pas négatif du tout, en fin de compte, hein, pour vous, en tout cas. Alors, je vais maintenant sortir une carte du Lenormand pour chaque décan. On va avoir des précisions là complémentaires sur ce tirage, soit des précisions, soit un petit conseil complémentaire, soit peut-être quelque chose qui devrait vous parler normalement en fonction de votre décan. Vous me direz si vous souhaitez, vous verrez. Donc, on va certainement avoir un message supplémentaire. Il y avait le tirage et puis maintenant il y a le complémentaire, quoi, en fin de tirage. Et voilà, alors laissez-vous faire, je veux dire, par la vie ce mois-ci. Même s'il y a des choix, peut-être que vous aurez à faire qui sont difficiles, ou qu'il y a des choix que certaines personnes prendront face à vous qui seront difficiles, ou que je vous dis, vous aurez du mal peut-être à accepter, lâcher prise, laissez-vous faire. Sachez que voilà, les événements se passent toujours comme ils doivent se passer, au moment où ils doivent se passer. Et dans tous les cas, pour vous, ça sera l'opportunité de reprendre plaisir à certaines choses dans votre existence. Et ça sera un mal pour un bien, parce que ça va vous permettre de repartir avec fougue et détermination. Même si vous en prendrez peut-être un coup un petit peu dans vos émotions ce mois-ci, hein, amis Gémeaux. Donc là, pour nos amis Gémeaux du premier décan. Nos amis Gémeaux, second décan, et nos amis Gémeaux, du troisième décan. En dos de deck, j'ai les souris. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui va un peu vous ronger, je pense, ce mois-ci, quand même, amis Gémeaux. Peut-être plus que ce que vous l'imagineriez à la base. C'est peut-être quelque chose. Moi, j'ai l'impression que ça vous laissera un petit goût, voilà, d'amertume, d'inachevé. Vous n'aurez pas de mal à repartir. Hein. Il n'y a pas de souci, mais c'est quelque chose qui va vous donner l'impression que ça peut être la personne en face de vous aussi, hein, qui aura cette impression, mais j'ai l'impression que ça vous concerne plutôt à vous. Quelque chose qui va vous ronger un peu quand même. Vous dépasserez ce cycle. Ça vous permettra de sortir d'une douleur quand même et de passer à autre chose. Ça, c'est certain, puisque j'ai le monde quand même, même s'il tombe à l'envers, peu importe. Hein. Ça vous permettra de passer à autre chose, de terminer quelque chose dans votre vie, mais ça vous rongera un petit peu quand même, peut-être plus que d'habitude. Vous serez peut-être plus dans vos émotions ce mois-ci, amis Gémeaux. Alors, pour nos amis Gémeaux du premier décan, donc là j'ai la lettre, donc ça sera peut-être suite à une nouvelle qui arrivera ben, par lettre, par quelqu'un qui vous écrira un message, un texto ou quelque chose, ou peut-être il y a des choses peut-être cachées que vous découvrirez. Peut-être que vous tomberez sur un message ou sur un texto ou sur quelque chose d'écrit, voyez. Soit un message que quelqu'un va vous adresser, qui était caché jusqu'ici, des non-dits qui étaient cachés et qui vous seront révélés. Soit vous allez tomber, vous, sur quelque chose qui était caché, un peu. Par inadvertance, je dirais, et c'est quelque chose qui va vous dégoûter un peu quelque part, je pense, et vous donner envie de tourner la page avec une personne. Ça, c'est possible pour vous, amis du premier décan. Vous me direz, hein, comment ça vous parle. Pour nos amis du second décan, donc là, j'ai la faux, donc là, c'est pareil, c'est vraiment quelque chose qui va être tranché, quelque chose qui va se terminer. Dans votre vie ce mois-ci, mais pour pouvoir, la faux, c'est le symbole de la moisson, donc c'est vraiment pour pouvoir récolter quelque chose de nouveau et repartir sur de bonnes bases. C'est un peu la carte de l'arcane sans nom, hein, du tarot, et elle porte le numéro de la roue de fortune, donc le numéro 10. Donc c'est aussi quelque chose qui était fatal, qui vous demande d'accepter
hein, la situation telle qu'elle est. Et il y a quelque chose qui se passera pour vous qui va faire changer les choses du tout au tout dans une relation soit sentimentale, soit une relation avec des personnes, peut-être des personnes toxiques, peut-être un jeune homme ou une jeune femme toxique. Ça peut être dans votre domaine professionnel ou autre. Mais ça sera tranché ce mois-ci. Ça vous rongera, c'est quelque chose qui vous fera certainement du mal, mais vous arriverez à en sortir et à reprendre pied là-dessus. Et ça sera un mal pour un bien dans tous les cas, parce que ça vous permettra de remoissonner sur autre chose. Et pour nos amis Gémeaux du 3e décan, donc là on a le soleil, donc pour vous ça sera vraiment un éclaircissement. Vous réussirez à faire la lumière sur certaines choses et à retrouver l'énergie, le peps. Ça se passera mieux que pour les deux autres décans, je pense, pour vous. Parce que c'est vraiment quelque chose presque que vous... Je dis pas que vous attendiez, mais qu'au fond de vous, vous... Comment vous expliquer quelque chose qui va vous guider vers la lumière et qui était fatal, bien sûr, mais vous le vivrez bien, quoi. Je veux dire, c'est une situation que vous vivrez bien, c'est un choix que vous ferez ou que quelqu'un fera, ou peu importe, quelque chose qui se terminera, qui va peut-être vous faire un peu de mal, mais que vous vivrez bien et vous repartirez sur de bonnes énergies. Je pense pas avec ces personnes, je pense de votre côté, sur quelque chose de nouveau. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une rupture ou quelque chose qui va se passer, hein, dans votre vie, qui va... suite à des choses qui sont cachées ou quelque chose. Mais pour vous, ça se passera mieux que pour les deux autres décans. Dans tous les cas, pour les trois décans du signe Gémeaux, c'est quelque chose qui était nécessaire, qui, je ne sais pas exactement quel est l'événement ou ce qui se passera ce mois-ci, mais vous découvrirez quelque chose ce mois-ci. Vous découvrirez ou vous aurez quelque chose qui s'éclairera dans une relation avec une personne... ou plusieurs personnes de votre entourage, une relation triangulaire ou une relation, par exemple, tripartite, si ça concerne, bon, j'ai pas de denier, mais si ça concerne le professionnel, parce que ça peut, hein, c'est un tirage général, ça sera une relation tripartite dans un contrat, par exemple, et là, vous vous apercevrez qu'il y a quelque chose de louche, ou vous verrez un détail qui vous plaira pas, et qui vous demandera de prendre une décision, ou qui demandera à quelqu'un de faire un choix. Voilà, et de terminer quelque chose pour autre chose, et de rompre certainement. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous invite à liker la vidéo, à partager si vous le souhaitez, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous pour vos likes, pour votre soutien. Je vous remercie, je vous souhaite un très bon mois d'août à tous, et à très bientôt. Merci.